et bienvenue pour vos lectures intuitives du mois d'avril. J'espère que vous portez tous bien les amis. Je vous informe que j'ai déjà publié vos routes du soleil pour les 12 prochains mois. Et donc, qui dit nouvelle année avec le printemps qui vient d'arriver, dit nouveau concept. Nouveau concept qui consiste à vous présenter en une seule fois et de manière globale toutes vos énergies. Alors rassurez-vous, hein, je vais toujours conserver votre énergie principale avec votre lame majeure du tarot de Marseille. Pour les jeux que je vais utiliser hein, pour votre tirage mensuel, on va commencer avec El Tarot pour votre énergie principale. Alors voici un aperçu avec cette magnifique force. Pour la lecture générale, ça sera avec The Infolding Path Tarot. Je vous le montre. Voici un 6 d'épée. Et concernant les supports d'extension, puisque tout à la fin, il y aura donc une extension, je vais donc me servir du Fontaine Tarot. Voici son dos. Et ici, nous avons un arcane majeur avec la justice. Et dans l'extension aussi, je vais utiliser un oracle qui s'appelle les portes magiques de l'univers. Aussi, pour ceux qui ne seraient pas informés, je propose depuis cette année des extensions de tirage pour compléter vos lectures mensuelles à des tarifs raisonnables. Pour ce faire, vous pouvez me contacter via mon email que vous retrouverez dans la barre de description pour les obtenir. Voilà pour la présentation les amis. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous souhaite à tous de très belles lectures intuitives pour ce mois d'avril. Namasté. Mes chers amis Verseau, bonjour à vous et bienvenue pour votre lecture intuitive du mois d'avril. J'espère que vous vous portez tous très bien mes amis Verseau. Donc on y va, on commence avec votre énergie principale, hein, ce qui sera perceptible ou non hein, tout au long de votre mois. Et vous avez l'amoureux au tarot de Marseille ici, et la mort. On parle ici d'amour, peut-être de votre amour propre aussi, de votre estime de vous-même. Choisir, se choisir soi pour s'aimer soi entièrement, de manière inconditionnelle. Hein, parce que là, ça nous parle vraiment qu'il y a une dualité, hein, c'est-à-dire qu'on est tiraillé, qu'on se dit « mais est-ce que je décide d'être choisi, je me laisse choisir ?» Hein, on est entre comment on appelle ça, les fesses entre deux chaises, hein, pour rester poli. Donc c'est ça, ce conflit vous invite en tout cas à prendre un choix important, un choix de bien-être et qui puisse en tout cas vous remonter en vibration d'énergie d'amour. Je le ressens comme ça pour vous. Ça peut nous dire effectivement que vous êtes au milieu et soit vous êtes bien avec une personne avec laquelle vous vivez depuis un petit moment, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Et là, tout d'un coup, il y a ce petit ange Cupidon qui vient décocher sa flèche et vient un petit peu mettre la zizanie puisqu'il vous présente cette jeune femme. Alors c'est imagé mais c'est ça hein. Donc on parle ici de la raison du cœur hein, de la conscience de votre cœur, là où vous avez envie de vibrer vos énergies, que ça soit un choix professionnel, sentimental, familial. Ici c'est vraiment résoudre un dilemme et aussi remettre de l'harmonie quelque part. Voilà ce que ça peut nous dire. Alors, on va faire maintenant le cœur de votre lecture, hein, puisque c'est le nouveau concept. Je ne l'ai pas souvent dit, mais je vous le dis à vous. Donc, vous avez juste un arcane majeur dans ce que vous souhaitez mettre en place pour votre mois. Vous avez la lune. Vous avez la lune. Sinon, nous avons pas mal de bâtons ici. On a de l'épée, de la coupe, de la coupe, de l'épée, de la coupe. On n'a pas de denier. Donc, on n'a pas des énergies de terre. On n'est pas dans quelque chose de concret, de palpable, de tangible pour le coup. Allez, on y va. Comment vous, mes amis Verseau, vous rentrez dans votre mois? Quelle est votre énergie avec ce 5 de bâton et ce chevalier de bâton? J'ai envie de vous dire que là, on est dans une énergie
comment dire, de survoltage. Hein, c'est un petit peu ça, on est un petit peu les nerfs à vif avec tous ces bâtons. Ici, on voit qu'il y a un conflit, il y a une espèce de rivalité, des énergies tierces en tout ça qui vous challenge et qui vous met un petit peu dans ce sentiment toujours de dualité. Et en même temps, on a envie de faire ce sprint et de communiquer quelque chose de plus enthousiasmant, quelque chose de libérateur pour le coup. Mais ça peut me dire aussi qu'il y a un problème dans votre état d'esprit de canaliser toutes ces énergies créatives. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de feu intérieur et du coup, comment vous la canalisez. Alors, ce que vous souhaitez mettre en place, en tout cas, c'est une énergie... comment dire, de libération émotionnelle. On peut dire ça comme ça avec cette énergie de la lune. Là, on parle ici de votre intériorité. Comment ça va à l'intérieur de vous? Et là, on parle de quelque chose de fragile, de vulnérable. On parle de votre inconscient, des choses que vous n'arrivez pas, comment dire, à capter dans la matière. Donc ça peut nous dire aussi qu'il y a des peurs et vous pouvez peut-être vous libérer de certaines peurs. Et c'est peut-être pour ça que je ressens un stress ici dans votre état d'esprit parce qu'on court après quelque chose comme une espèce de fuite en avant. Vous voyez ce que... Donc là, il y a vraiment quelque chose par rapport à votre sensibilité, votre connexion, votre émotionnel. Et il y a quelque chose en tout cas à libérer, à mettre en lumière, à explorer pourquoi il y a ce feu intérieur qui quand même... Alors, en ce moment vous perturbe, c'est-à-dire comment vous mettez ce feu intérieur au service de votre créativité. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ce que je ressens. Concernant votre défi, hein, quel est le défi pour vous, mes amis Verseau? Vous avez ce 2 de coupe et ça rejoint quelque part en toile de fond vibratoire avec l'amoureux, ce 2 de coupe, c'est là on vous invite à vous aimer. Alors, ça peut aussi nous dire qu'il y a une réconciliation possible. Ça nous invite aussi à... Le défi, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous réunifier, à vous sentir dans un état d'harmonie, dans un état, comment dire, de circulation de vos émotions fluides. Hein. On peut parler de quelque chose de beau avec ce 2 de coupe. Ça peut aussi nous dire qu'il y a une rencontre d'âme à âme et qu'il y a quelque chose à libérer en tout cas avec ce 2 de coupe. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça nous parle de faire la paix avec vous-même, de réunir aussi peut-être vos deux polarités. Alors là, pour le coup, c'est deux femmes. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de en ce moment où vous êtes en conflit avec votre part féminine et peut-être on vous invite à vous réconcilier avec celle-ci, hein, de faire la paix et de vous écouter aussi, hein, vraiment d'écouter tout ce que vous avez envie de libérer émotionnellement. Donc là, c'est ce que je vois. Ce qui peut entraver la manifestation de ce coupe, hein, c'est-à-dire de réussir à trouver une harmonie, une réconciliation, qu'il n'y ait plus de dualité, c'est ce 9 de bâton. C'est que là, on lutte. On lutte, on s'acharne, on veut rien laisser tomber ici. C'est vraiment cette énergie du guerrier, de la guerre spirituelle, mais là, c'est quelque chose qui est trop dur. Au niveau de vos forces physiques. Donc là, c'est absolument pourquoi vous ne voulez pas lâcher prise quelque part. Là, ça nous dit ça. Il y a quelque chose à lâcher prise pour enfin vous retrouver vous-même, refaire la paix avec vous-même, parce que c'est comme s'il y avait cette fuite en avant pour vous. Avec ce qui va vous aider, c'est ce 4 de coupe. Alors, je l'aime beaucoup parce que ici, il va vraiment vous servir à canaliser ce feu intérieur. C'est pour ça que je vous parle de tout ça, parce que on sent qu'il y a beaucoup de choses à exprimer avec tous ces bâtons. Et ça parle aussi de votre inconscient, qu'il y a quelque chose à libérer et à réunifier. Ce 4 de coupe, il est là pour vous dire, centrez-vous, recentrez-vous. Concentrez-vous dans votre calme intérieur, retrouvez de la sagesse émotionnelle, ne vous laissez pas perturber par des émotions extérieures qui peuvent être soit vous mettre peut-être dans quelque chose encore
de flou, de confus avec cette coupe, puisqu'on est avec cette énergie de la lune, qu'on ressent les choses, mais on ne sait pas où on va, vous voyez. Donc, ça peut nous dire tout ça. Pour votre vie professionnelle ou activité, on a ce 2 des épées. Alors, on est toujours dans cette dualité pour vous, hein, sur ce mois d'avril. Que choisir? On est tiraillé, voilà, il y a du doute, de l'incertitude, des hésitations, parce que peut-être pour telle visualisation professionnelle, il y aura des choses qui vont peut-être être moins florissantes, et dans notre orientation, il y aura peut-être des avantages, mais il n'y aura peut-être pas exactement l'énergie dans laquelle vous avez envie de vibrer, de vous investir. Ça peut être tout ce genre de questionnement, mais vous-même, vous savez vous-même ce qui est bon pour vous. Là, on vous invite à vous écouter, toujours avec cette force hein, qui va vous aider, ce quête de coupe, de rester stable dans vos émotions, de ne pas vous laisser distraire par des influences extérieures. Donc, voilà, de ramener en tout cas de beaucoup de réunification, d'harmonie en vous. Hein. Ça nous dit tout ça. Et on a encore, hein, c'est curieux, on a 2 fois le 2 ici, je viens de le voir, 2 des épées, 2 de coupe, 4 de coupe, et dans votre vie sentimentale ou affective, on a un 4 des épées. Alors ça veut dire que vous sortez d'une période compliquée, parce qu'avant le 4 des épées, on a le 3 des épées qui nous parle de trahison, qui nous parle de gros chagrins, de pertes, de déception, ça peut être tout ça. Donc là, c'est l'invitation à prendre soin entièrement de vous et vraiment de vous concentrer sur les choses qui vous redonnent une stabilité et spirituelle, mentale et émotionnelle. Là, on est vraiment dans quelque chose d'un recentrage pour le coup, pour retrouver de l'harmonie. Je ressens comme ça pour vous parce que, effectivement, quand j'ai vu ce 5 de bâton, ça nous parle tout de suite d'énergie dispersée, hein, vous voyez, et que là, on fuit quelque part. On veut agir, mais on ne sait pas comment on peut agir, même s'il y a quelque chose de beau à libérer. Et là, c'est vraiment votre part inconsciente. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre pour ce 4 des épées? Ce 4 des épées, là, c'est on est peut-être fatigué. Et là, on a besoin, en tout cas, de lâcher prise. Voilà, je ressens beaucoup de lâcher prise pour certains de nos amis Verseau. Ce vers quoi vous allez pour votre fin de mois, on a ce 6 des épées et nous avons ce 3 de coupe. Alors là, ça nous dit qu'il y a un passage, une transition pour vous, vous allez vers un ailleurs, avec plus de lumière et retrouver un moment de convivialité, de joie, de partage avec ce 3 de coupe. Donc là, j'ai l'impression que vous arrivez à faire tranquillement cette transition puisque là, c'est... On parle vraiment de de rester concentré dans votre lumière, dans votre feu intérieur, même s'il y a des choses fragiles à libérer. Donc, c'est quelque part assez beau. On parle aussi avec cet arbre d'ancrage pour vous, d'ancrage émotionnel, hein, de ne pas vous empoisonner l'existence, de ne pas vous mettre des nœuds au cerveau. Et ça passe aussi peut-être, je pense, votre vulnérabilité parce qu'il y a une incertitude dans votre vie professionnelle et peut-être que le reste va impacter les autres domaines de votre vie. Après, ça peut aussi être complètement votre état d'esprit pour le coup. Voilà ce que j'ai pour vous donc pour cette première partie de lecture hein, qui est terminée. Je vous propose de rester avec moi pour le recouvrement si ça a résonné pour certains d'entre vous. Et c'est parti, je commence donc avec ce tarot. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter, c'est ça que je voulais dire, si vous voulez avoir des précisions, des informations complémentaires sur cette extension de lecture. Allez, on y va pour ce recouvrement pour nos amis Verseau. On y va. Alors, nous avons donc pour votre énergie ce 5 de bâton et ce... Chevalier de bâton, il y a la grande prêtresse. Super, ça va vous aider du coup dans votre état d'esprit. Pour ce que vous souhaitez mettre en place en termes d'objectifs, de vos plans, vos désirs, mais là on parle plutôt d'une libération émotionnelle avec la lune. Nous avons, oh génial,
le soleil. Incroyable. Waouh, super. Pour votre défi avec ce 2 de coupe, il nous parle d'amour aussi, d'amour, d'estime de vous-même. Voilà. Et nous avons ici, ce page des épées. Ok. Bon, ça peut-être qu'on ira le recouvrir encore par la suite. Pour ce qui va en tout cas vous empêcher de manifester ce 2 de coupe avec ce 9 de bâton, nous avons 10 des épées. Ok. Ok, ok, je comprends mieux. Votre force ici, avec ce 4 de coupe, votre force ici, nous avons As des épées. Ah, ça c'est super. Voilà. Bon. Vraiment, la grande prêtresse sera là pour vous appuyer, pour libérer quelque chose d'important sur votre moi. 2 des épées dans votre vie professionnelle, nous avons ici ce 6 de coupe. Ok. Pour votre vie sentimentale ou affective, avec ce 4 des épées, nous avons un 7 de denier. Ok. Et en fin de mois, avec ce 6 des épées, ce 3 de coupe, et bien alors voilà. Ce 6 des épées pour vous. Et en dodo deck, nous avons une tour, bim bam boum, la tour. Et je ne vous ai pas montré le dodo deck de la première partie, désolé. Nous avons ce 10 de deniers. Voilà pour vous, mes amis Verseau, les messages que j'avais pour vous pour cette première partie de lecture. Donc, je vous remercie encore pour tout. Je vous souhaite également un très bon mois d'avril à tous. Et encore merci. À bientôt. Bye bye.